tire-les tranquillement pour que la corde, là. Regarde, de, une petite tip, hein. Regarde proche. Avance un peu pour le voir. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux m'envoyer dans le portrait? Alors ça, c'est l'histoire de ma vie. Là. J'ai ici une photo lorsque j'avais 18 ans, en 1941, m'étant enrôlé dans l'aviation Royal Canadian Air Force. Ça, c'était des vieux souvenirs. Ici, ça me met ça. Ça, c'est un de mes commis, mon premier partenaire en comédie en 1949. Il est mort l'an passé de la grippe. Ça s'appelle comment, lui? Philippe Gaudreau. Ça, c'est moi ici dans le temps que j'avais 9 mois, ça fait très longtemps de ça. Ici, j'avais 15 ans dans l'armée de réserve. 15 ans. Ça, c'est quand j'ai boxé en 38 dans les 112 livres le 15 mai 38. Vous gagnez une coupe de combat? J'ai perdu le premier. Gagné le premier, puis j'ai perdu le deuxième, puis demain, j'ai une crise. Puis là, vous n'avez fait peine deux, vous avez arrêté votre carrière là? Ouais, j'ai été m'entraîné. Ça payait pas, ça payait 3 pièces pour 3 rondes. Cette photo était au Canal 10, où j'étais à peu près un an et demi de temps dans les émissions Café Terrasse, Bon Appétit, Bon Matin, avec Jacques Desrosiers, Gilbert Chénier, Serge Bélair. Margot Lefebvre était en spectacle, La Poule était là-dedans, dans les comédies. J'ai fait un an et demi, là. Ça, c'est une photo lorsque j'avais donné les 3 coupes par la Society of American Magicians. La première ici, celle-là c'était l'IBM, celle-là c'était un groupe qui me l'avait donné. Ça, on me connaît une barbiche au Canal 10, mais je suis tanné, je m'en laissais pousser une. Ça, c'est à peu près la même chose avec une autre chose. C'était ma table que j'ai vendue il y a à peu près 3 mois. J'ai vendu ça 40 pièces. La table, tout avec le trou, tout ce qu'il fallait. Vous avez fait finalement combien d'années de magie, vous? Moi, j'ai commencé la magie, faut bien dire, j'ai commencé en réalité en 1945-46. Ça, c'est avec Réal Giguère, quand j'avais fait une émission. Le vrai, vrai, le vrai Réal Giguère. Ah, ouais. Voilà. Ah, c'est pas un sosie, ça. Bon. Ça, c'est Réal Bélan, Tigus. De Tigus Timousse, que t'as connu. Oui, oui. Ça, c'était un de nos meilleurs comédiens qui a fait Casanova, c'était Gabriel Bigras. Moi, je suis ici à quelque part, je suis ici, là. Ça, c'est quand je faisais du tap dance pour le club 4 ans, j'ai mis chiqué de danse encore. J'étais maigre en ce temps-là. Délicat. Ouais. Délicat. Ma mère a toujours dit on n'est pas maigre, on ouais. Est délicat. Ça, c'est une vieille photo aussi. Très vieille photo. Ça, en instant, mon chat Marvel qui était magicien, il payait ça 25 cents, c'est rien qu'un plastron que tu mettais en vente, le jeté après. C'était 25 cents. Pour le plastron. Ouais, le plastron et la boucle 55, quelque chose de même. C'était bien, tu sais. Le coup, si t'en aimais, c'était pas cher. Ouais. Tu le portais 3-4 fois, c'était fini. Ici, c'est bien du show business. Ça, c'était un des premiers bookers au Canada, à Montréal, ici. Monsieur Turner, avec sa femme qui est ici. C'est lui qui a découvert les verrous-là avec le Café Caprice. Ça, c'est Roméo Pérus qui avait pas de cheveux, en tant qu'il y en avait. Ça, c'est la mère d'homme. Ça, c'est Stéphano, bien entendu. Ça, c'était le propriétaire du Café Rainbow. Ça, c'était tous des articles. Hein? Armand, la vraie femme de Réal Bélan, la belle noire ici. C'était bien de vous revoir. Là. Vous avez toujours été bel homme, vous? Ben oui, j'avais du maquillage. Ça, c'est avec un monsieur que tout le monde connaît, Marcel Salvaille. Ici, je faisais une danse d'apache. Je fais très longtemps de ça. C'est avec Jacques Boulanger au Théâtre des Variétés. Ça, c'est avec Paul Desmarteaux. Ça, que je suis en vedette à l'Hôtel Montcalm. Tu vois mal de la place. Ça, c'est Randy qui m'avait écrit. Parce qu'on va travailler ensemble. C'est s'il m'avait envoyé ça. C'est un Canadien anglais, lui, je crois. Hein? Exactement, il vient de Toronto. Okay. Est-ce que c'est lui qui dévoile tout? Qui dévoile tout et ouais. Qu'il n'était pas d'accord avec le régulaire. C'est ça, et puis okay. À part de ça, il y a un chèque de je ne sais pas combien sur lui, puis on peut prouver que c'est vrai ce qu'il dit, comme des pèlerins écrits. À chaque fois qu'il est à la télévision chez Johnny Carson, il a tout démenti, il a remonté. C'est ça, j'ai lu des choses sur lui dernièrement. Ça, c'est Guétari, la première émission qu'il a faite ici au Canada en 58 avec Paul Thériault et moi, ma femme qui était dans les airs. Si vous avez une utilisation. Alors, votre femme a été votre partenaire une couple de fois. On a fait de la transmission de pensée un peu tous les deux, puis on a fait une couple de suspension comme ça, tu sais. Ça, c'est moi en 1945 au St. George Canteen à New York.
je sauvais tous les soldats durant la guerre, en 45, à New York. Ça, c'est Jeanne d'Arc sur le bois, avec elle au Théâtre des variétés. Ça, c'est encore elle. Ça, c'est Fabiola. Elle est morte dernièrement. Réal Bénin-Tigus. Ça, ici, c'est devant New York. C'est une photo que j'ai prise avec René Angelil, ici. Le vrai, là. Ben oui, René Angelil, certain. Bien, il est là. Angelil. Stéphano va-t-il signer le contrat du siècle avec René Angelil? Une histoire à suivre dans la deuxième partie du film vidéo Le Grand Magicien Stéphano. Ça, évidemment, c'est du noir et blanc. Tu sais, c'est à peu près comme la photo comme l'autre. Quand je mettais mon turban pour les enfants.